Coucou, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle semaine geek où je vais commencer aujourd'hui par les DVD. Et je passe un petit coucou à Ryan Lee. J'aime toujours autant sa chaîne. Pour moi, ça fait vraiment partie des chaînes inspirantes. Et il a fait une vidéo qui s'appelle « Alors j'ai regardé quoi comme film ces derniers temps ?» Et du coup, j'adore sa chaîne parce que je découvre toujours des films que je connais pas. Et donc là, dans la dizaine un peu plus d'ailleurs de vidéos qu'il a présent, de films qu'il a présentés, il y avait Lecture diabolique. Et perso, j'adore les films avec des objets, enfin les films d'horreur, mais à partir d'objets un peu ensorcelés, on va dire. J'aurais dû vous sortir certains films que j'ai sur ce thème-là. Alors souvent, c'est avec un jeu vidéo, un CD-ROM, des trucs comme ça, j'adore. Et là, donc apparemment, c'est à partir d'un bouquin. Alors déjà, j'adore la jaquette. J'en avais jamais entendu parler de ce film. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Vous n'allez pas très bien voir, là. Je vais faire comme ça, voilà. Hop. Quand s'efface la ligne entre réalité et cauchemar. Voilà, typiquement, moi, c'est vraiment les films d'horreur que j'adore, c'est sur ce thème-là. Voilà. Employée dans une librairie de livres anciens, Virginia Clayton se passionne pour le romancier maudit Malcolm Brandt. Après avoir dévoré son premier ouvrage, elle se précipite sur le deuxième et dernier, Madman. La tragédie macabre d'un médecin d'aspect si monstrueux qu'il se mutile pour ensuite reconstruire son visage à partir de celui de ses victimes. Au fur et à mesure qu'elle progresse dans sa lecture, Virginia ressent une peur croissante, plusieurs personnes de son entourage étant assassinées dans des circonstances aussi abominables qu'étranges. Et si le tueur provenait de ce livre qui la vampirise littéralement? Voilà. Moi, ça me donne vachement envie de le lire, de le regarder. Donc, bah, merci Ryan Lee pour ce conseil, en tout cas. Et je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai vu. D'ailleurs, j'ai découvert une deuxième chaîne inspirante qui s'appelle... attendez, où est-ce que je l'ai mis? Lui, il s'appelle The Godfather Collection. Et alors, il m'a du coup donné envie de ranger ma DVD tech et ma Blu-ray tech, je sais pas si ça se dit. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus. Voilà. Alors, toujours dans la catégorie objets bizarres, librairie un peu spéciale. Je vais vous présenter un livre de littérature jeunesse qui s'appelle Le Collège Lovecraft. Alors il y a plusieurs tomes, c'est chez Bayard, Frisson. Là c'est le premier, Professeur Gargouille. Alors cette couverture, elle m'avait intriguée depuis longtemps, enfin, ça change. Je ne sais pas si vous allez le voir là, voilà. Ça change quand vous bougez la couverture, c'est holographique je crois on dit. Donc ça déjà ça m'avait intriguée. Et du coup... je suis en train de le lire. Hop, voilà, j'en suis presque à la fin. Non, pas presque à la fin. Pas du tout même. J'en ai lu un quart. Et j'adore. Bon, alors c'est de la littérature jeunesse, hein, mais il y a en fait un passage qui se passe. Donc en fait, il y a un nouveau collège qui s'est construit. Et il y a un lycéen qui. Non, pas un collège, un lycée, un nouveau lycée qui s'est construit. Et le lycéen qui se retrouve là-dedans, à un moment, il doit aller visiter la bibliothèque. Il se perd dedans. Là, il trouve un livre très bizarre. Il va prendre le livre. Enfin, voilà. C'est moi, j'adore ce genre d'ambiance-là. Donc, bah, du coup, je me suis commandé les autres tomes sur Vinted. J'ai trouvé les tomes 2, 3 et 4 à 10 euros. Donc, je les attends. Comme ça me laisse le temps de finir celui-ci. À la base, je ne sais pas combien il coûte, mais peut-être une dizaine d'euros chacun. Alors, entre parenthèses, Vinted, je me régale. Je vends beaucoup de choses parce que je veux affiner mes collections, notamment de jeux vidéo. Donc, si ça vous intéresse, bah, vous me demanderez, je vous donnerai le nom de mon compte. Ça marche super bien. Franchement, j'ai revendu des tas de trucs.
Donc tous les jours, je vais chercher mes colis et j'en envoie. Voilà, ça me permet de faire du vide et en même temps de me racheter des trucs que je cherche qui me correspondent plus maintenant. Donc bah voilà, donc j'ai commandé les trois autres tomes d'après, mais vraiment, je ne sais pas si vous lisez de la littérature jeunesse, mais moi j'aime bien de temps en temps. Et en tout cas, ça, c'est une très bonne surprise. Toujours dans la littérature jeunesse, moi il y avait un auteur que j'adorais quand j'étais ado, c'était Philippe Aiby. Et je lisais les collections donc, dans la bibliothèque verte de l'époque. Et il m'en manquait quelques-uns que je trouve donc du coup sur Vinted. Donc celui-là, je ne l'avais pas, Le Naufragé des étoiles. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je vous avais parlé d'un que j'ai relu il n'y a pas longtemps. Je vous montre les illustrations. Voilà, c'est un peu kitsch, mais c'est une bande de copains. Ils vivent des aventures. Souvent, il y a des voyages dans le temps. Donc, ils inventent des civilisations. Moi, j'aime beaucoup. Il y avait l'éclair qui effaçait tout. Il y avait. Voilà, donc celui-là, je vous montre aussi. D'après les calculs du professeur Auvernaud, un astéroïde, le D23, s'approche peu à peu de la Terre où il doit tomber dans 20 ans, en Haute-Provence, à quelques kilomètres de la route Napoléon. Le professeur demande à Serge Xolotl et Thibault de faire un bond dans le temps pour rapporter des échantillons de l'astéroïde. Et voici les garçons confrontés à une société très différente de la nôtre où s'opposent deux groupes, les réguliers et les rétros. Les réguliers, vêtus d'un genre de combinaison rouge aux reflets métalliques. J'ai l'image de Sheila qui me vient quand je vois ça. Où habitent les villes où des robots veillent au respect des institutions. Les rétros, par contre, avec leurs jeans élimés, se regroupent dans les montagnes pour mener loin des contrôles la vie libre à laquelle ils aspirent. Au passage, je vous conseille toujours le film La Belle Verte. Si vous voulez voir des civilisations pacifiques, franchement, et écologiques, allez voir ce film. J'arrête pas d'en parler parce que je l'ai découvert pendant le premier confinement et j'adore. Et j'aime bien aussi les films où ils parlent de deux mondes qui, dans le futur, qui sont très différents. Souvent, alors, les mondes les plus pauvres, ils sont sous terre, les mondes les plus riches, en l'air. Enfin, il y a plein de films comme ça et moi j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des exemples de choses comme ça, parce que j'adore des livres ou des films. Donc voilà, donc je suis très contente de compléter ma petite collection. Même chose, ça vous intéresse de voir ma collection de livres de cette série-là, bah, je vous montrerai. Ensuite, j'aime beaucoup aller à Cultura aussi pour voir les livres qui sortent. Et du coup, je me rends compte que bah, souvent, il y a des livres qui paraissent récents et en fait, c'est des rééditions. Alors certes, dans des super belles éditions souvent. Mais du coup, quand je rentre chez moi, je regarde un peu si il n'y a pas des versions plus anciennes et moins chères. Et du coup, j'ai vu, donc j'avais vu au Carrefour des Étoiles, la couverture et surtout la quatrième de couverture m'avait donné vachement envie de lire le livre. Et du coup, je suis tombée sur une ancienne version. En plus, j'aime bien les versions plus anciennes parce que je trouve que souvent les couvertures étaient magnifiques. Donc là, c'est la collection J'ai lu science-fiction. Et donc, c'est un livre de Simak qui est assez connu en science-fiction. Et pareil, je vous lis la quatrième. Étrange demeure que cette ferme Wallace qui se dresse sur une falaise escarpée du Wisconsin. Une ferme aux fenêtres aveugles, vieille de plusieurs siècles et cependant intacte, comme si le temps n'avait nulle emprise sur elle. Enoch Wallace, son propriétaire, vit là de toute éternité, semble-t-il. Or, c'est par cette maison, cette station, que transitent les voyageurs de l'espace, les tubains, masses globuleuses et bavardes, les lumineux de Vega 21, rayonnant d'ondes heureuses, d'autres encore. Depuis bientôt 2 ans, Claude Lévis, agent des renseignements déguisé en ramasseur de ginseng, enquête et tourne autour de la ferme. Ça, je vais adorer aussi. Donc voilà, au Carrefour des Étoiles. Alors j'ai dû payer ça 1 euro sur Vinted. Après, souvent, vous avez 2,88 euros, enfin à peu près 3 euros de frais. Mais ça vous permet de trouver des choses. En fait, je trouve que Vinted, ça remplace un peu les brocantes. Tous les jours, il y a des nouveaux articles, il y a des trucs, des vieux trucs, quoi. Moi, j'aime bien. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé cette version de Simak au Carrefour des Étoiles. Voilà. Et puis, hop, je vais faire un peu de place. Bah, je continue ma lecture de Ikigai, qui est vraiment génial. C'est avec mon petit carnet où je note du coup les choses qui m'intéressent et puis les déclinaisons
de ce que je veux faire à partir de ça. Et du coup, je vais essayer de vous retrouver la page. Hop, hop, hop. Donc, il y avait un truc intéressant. Est-ce que j'ai mis ça? Excusez-moi, j'aurais dû le préparer. Bon, bref, il y a un moment où il parle de Bill Gates. Non, pas de Bill Gates, de Steve Jobs. Où est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Apparemment, alors du coup, conséquence, j'ai acheté la bio de Steve Jobs qui s'appelle ben, Steve Jobs, qui a été écrit par Walter Isaacson. Je vous montre pareil la quatrième de couverture. Hop, ben, vous voyez pas tout là. Ah, attendez. Je vais vous mettre peut-être un peu plus comme ça. Non, c'est compliqué. Bon, bah, vous n'allez pas voir la quatrième de couverture, désolé. Hop. Donc, dans le bouquin Ikigai, ils expliquent que Steve Jobs était un passionné du Japon, qu'il avait rencontré un gars qui travaillait la porcelaine. Et en fait, il allait lui-même chercher, enfin, le gars, il allait lui-même chercher la porcelaine, la terre des montagnes, pour faire sa porcelaine. Et du coup, Steve Jobs adorait aller le voir pour lui acheter des objets donc en porcelaine. Et c'était un gars qui faisait tout de A jusqu'à Z, quoi, en fait. Et ça s'appelle un artisan comme ça, passionné au Japon, on les appelle les Takumi. Voilà. Et ce qu'aimait Steve Jobs au Japon, c'était à la fois justement l'alliance de la modernité et des traditions, du travail. Très bien fait, avec beaucoup de précision, de patience, etc. Voilà. Donc, je vais lire ça. J'ai vu qu'il y avait des. Bon, il y a un film aussi que j'ai dans ma DVD Tech sur Steve Jobs qu'il faut que je regarde. Donc, voilà, voilà. Voilà. Et pour terminer, il y a le bah, toujours Immortals Phoenix Rising. Alors je suis presque au bout, mais donc j'ai gravi la montagne du Pic du Roi, j'en suis à 80 heures de jeu. Bon, comme j'ai eu 3 semaines un peu plus, enfin où j'avais moins, je bossais mais j'avais une partie de mon activité en moins, donc du coup j'ai pu jouer un petit peu plus. Donc j'ai joué à peu près 2-3 heures par jour, je crois. Donc 80 heures de jeu, j'ai franchi la montagne du Pic du Roi, j'ai adoré ça. J'en suis bah, à la fin, donc il y a le boss Typhon, mais avant d'aller le battre, j'ai envie de mettre mon perso au max. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais vraiment m'occuper de ça, c'est-à-dire d'aller récolter pas mal de trucs et puis d'arriver devant le boss vraiment avec le max de potions, avec voilà, maximum de choses. Voilà, donc bah, je fais toujours mes lives, je vous invite à les suivre, c'est assez sympa quand il y a du monde dessus. Et voili voilou, et après je sais pas quel jeu je ferai, j'ai que l'embarras du choix. Donc bah, pareil, dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous avez des jeux que vous aimeriez suivre en live sur ma chaîne. Et voili voilou, bah, écoutez, voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!